Dans Parashat Beshalach, le Yom Sheni. D'abord, Acher, Ashremaskil, Eldal. Kamatakifa, Agera de Miskena, Kame Kucha Berichu. Il est aussi écrit: heureux est celui qui comprend, peut-être, c'est l'expression, qui comprend le pauvre. Il dit combien est-ce que est grande la récompense d'un pauvre devant Hachem. Mavichia, Zavana al-Hayekira nous avons. Essayons d'expliquer un petit peu ce que cela veut dire. Il dit comme c'est écrit dans Ki Shomea El Evionim Hachem. Il dit que Hachem écoute les pauvres. Je vais cacher, mais c'est difficile. Et Ki El Evionim Shomea Velale Achara. Est-ce qu'on peut dire qu'il écoute les pauvres et pas les autres? Amar Rabbi Shimon, Megid Inun Kerivin Yatir les Malka. Il dit parce qu'eux sont plus proches que d'autres au roi. Dirtiv, Lev Nishba, Venike Elohim, No Tibze. Letlar Be'alma de Yehu Tevir, Liba, Kemiskenta, Kemiskena. Il dit le cœur brisé et Hachem ne l'humiliera pas. Il n'y a pas de cœur brisé comme le cœur de quelqu'un qui est pauvre. Tu amas, Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon a rajouté, Tachazé, Kolinun, Bene Alma, Chazian, Kame, Kusha, Berichu, Begufa, Venosha. Il dit, regarde, toutes les personnes se montrent devant Hachem avec un gouffre. Et une neshama, alors qu'un pauvre n'est que son nefesh, sa neshama. Pourquoi? Parce que son corps est brisé. Donc, Hachem le rapproche plus sa neshama que son corps. C'est pour ça qu'on dit que la tefila d'un ani est acceptée plus. Maskenachad Ava, Meshi Bejvivuta de Rabbi Yessa, Velahava Man de Shkarve. Il y avait un pauvre qui habitait dans le quartier de Rabbi Yessa. Et il n'y avait personne qui voulait le nourrir. Uhava Arsif, Velatakif, Bebenenacha. Et lui, il avait donc honte de demander aux autres de le nourrir. Yomachad Khalash. Allez, Rabbi Yessa, un jour il est tombé malade, tellement il avait faim. Et Rabbi Yessa est allé le visiter. Shamachad Kala Damar, Tileka, Tileka, Anafsha Parcha Gabay, Vela Matu Yomoy, Vav Livne Mate, de la Ishtekar Behu, Viativ, Nafshe Legabe. Il dit Rabbi Yossé, Rabbi Yessa écouta une voix qui disait Galgal, Galgal, irai. Regarde, Galgal, chose qui tourne, regarde, cette nefesh, elle vient vers moi, alors que son temps n'est pas encore venu de mourir. Et oi, pour cela qui habite dans sa ville, il n'y en a pas un qui peut lui faire retourner son âme, c'est-à-dire qui peut le nourrir. Comme Rabbi Yessa, j'ai des Maya, des Gargain, et Aputa, des Kudna. Et ça, il a jeté à l'intérieur de la bouche de ce pauvre-là, comme du jus de grenade, et Médakitana, petit peu, petit peu. Il dit, là, tout d'un coup, il a commencé à transpirer, et son âme, la vie, lui est revenue. Et Vatar, Atavesha, il est. Par ça, qu'il est revenu le visiter et qu'il s'était renforcé. Et je lui ai demandé, Amar Chayecha Ibi Nafsha Nafkat Minai, Umatula Kame Kursia de Malka, Baal Ishta Arataman. Il dit, le pauvre, il dit à Rabbi Yessa, Chayecha Rabbi, il est ta vie. Il dit, moi, mon âme était, son âme était sortie. Ils l'ont amené
devant le Kissé à Meler. Et son âme a voulu rester là. Et là, Deba, Kocha, Belichou, les Zaka, mais Hachem a voulu donner à toi le mérite. Vachrezu, Alach, Zaminhu, Rebi, Yessa, les Saleka, Rouche, Kachera, Bechad, Adra, Kadisha, les Zemni, Havaria, les Talara, Atkin, Utelat, Kursia, Kamila, ou Khavera. Et ils ont annoncé sur toi que dans le futur, ton âme, elle va monter. Elle va s'attacher avec Adra Kadisha. Et que les collègues, si on veut, vont être motivés. Et ils ont préparé trois chaises où tu seras toi assis avec tes collègues. Il dit, mais à vous, Yoma, à vous, Majgichimbe, Benemete, Maté, à partir de ce jour-là, ceux qui habitaient dans la ville venaient le visiter et le nourrir. Tout Miskena, Rara, Avar Kame, Derevitrak, Verbabide, Lag, Ma, Tekesef. Il y avait aussi un pauvre qui passait devant Rabbi Yitzhak et avait dans sa main une demi-pièce d'argent. Amarle Rabbi Yitzhak, Ashlimni, Urbanai, Venilotai, Nafshaan. Il dit, complète-moi, pour moi, mes fils et mes filles. Et en d'autres mots, rajoute-moi pour que je puisse aller les nourrir. Amarle. Ver Ashim Nafshihu, Dehala Ishtekar Gabai, Bar Pelagmea. Il dit, comment est-ce que je peux te compléter? Comment je peux te compléter dans vos âmes? Alors que moi, je n'ai pas plus qu'une demi-pièce. Et tu peux rien acheter avec ça. Amarle. Bedai, Ashlima, Biflag, Acharad, Itegabai. Il dit, avec ça, je compléterai avec une autre pièce que j'ai. Et avec les deux, ça fera une pièce complète d'argent. Et avec ça, je pourrai acheter de quoi manger. Avkev, donc il a enlevé sa demi-pièce et il lui a donné. Il a dit, vous voulez? Bichema de Ava, Ava, Bishvata de Yamaraba, ou Baran, Imishdeye, Vegave. Ils lui ont montré dans un rêve, Rabbi Yitzhak, il est en train de traverser une grande mer et qu'ils ont voulu le jeter à l'intérieur. Ramal Rabbi Shimon, Beava Oshim, Yedo, Likeble, Beatahu, Maskena, Beavke, Beave, Bido, de Rabbi Shimon, Lichtesiv. Et il a vu que Rabbi Shimon, il tendait sa main vers lui. Et que quand il tendait sa main, il est venu ce pauvre, et il l'a fait sortir. Il l'a sorti, Rabbi Israël, et l'a mis. Il a fait toucher la main de Rabbi Shimon. Quand il s'est réveillé, il dit donc, il a eu ce verset qui est écrit. Et donc celui qui porte attention, si on veut, à un pauvre, alors que c'est un jour où il aurait pu avoir du mal. Il dit Hachem le sauve. Hachem le Olam. Amen.